1:30 this afternoon, call came out, shots fired. That was called in by the Secret Service. Because we're in constant contact with them all the time, we were notified of that, and we had units here that immediately sealed off the area. Fortunately, we were able to locate a witness that came to us and said, hey, I saw the guy running out of the bushes. He jumped into a black Nissan, and I took a picture of the vehicle and the tag. Dmitri Medvedev affirme que la tentative d'assassinat de Trump pourrait être orchestrée par Kiev. Choquant, n'est-ce pas? Salut tout le monde, j'espère que ça va très bien, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. YouTube nous a signalé que beaucoup parmi vous regardaient nos vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Alors faites-le s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. God bless. Alors Medvedev, l'ancien président russe, a affirmé des propos choquants, bousculant, ahurissant, déstabilisant. Ouais, nous avons tous vu, il y a quelques jours, M. Donald Trump, ex-président des États-Unis, a encore une fois de plus été sujet à une attaque sur sa vie. Cette fois-là, contrairement à la fois précédente, il était dans son golf court en train de jouer au jeu pendant qu'il se baladait avec ses potes et quelques-uns de ses proches et aussi le service de sécurité, parce que chaque président américain, évidemment, a des services secrets qui le protègent pour le reste de sa vie. Arrivés dans un coin, il y avait un peu de broussailles. Ils ont vu la tête d'un fusil. Les services de sécurité ont tiré sur l'objectif, pensant que c'était quelqu'un qui essayait de l'éliminer. Et puis après, on a pris M. Trump, on l'a couvert, on l'a protégé, on l'a mis dans une voiture blindée, une petite voiturette, et l'ont très vite envoyé à l'abri. M. Trump a ensuite déclaré qu'il était très bien, qu'il n'avait pas de difficultés. Mais le monsieur, c'est-à-dire l'assaillant, s'est enfui et a disparu. Mais grâce, d'après ce qu'on dit, à un passant dans les rues qui a pu noter l'identification de la voiture et le reste, et quelques éléments essentiels, on a pu retrouver la personne qui était censée être l'assaillant. Driver, take two steps to your right! Take two steps to your right! Driver, walk straight back! Keep walking! Alors, Dmitri Medvedev vient de réagir par rapport à ça. Il dit que les Américains ne nous trompent pas. En réalité, le suspect Ryan Wesley Wolf a recruté des mercenaires à l'armée ukrainienne. Donc Medvedev dit que monsieur le suspect a recruté des mercenaires pour l'Ukraine. Il était en Ukraine très récemment. Parce qu'évidemment, il y a des vidéos confirmant la présence de monsieur en Ukraine. Putin est un terroriste et il doit être terminé. Donc, nous avons besoin de tout le monde pour arrêter ce qu'ils font et venir ici maintenant et soutenir les Ukrainiens pour terminer cette guerre. Il était en Ukraine disant qu'il était temps que tout le monde vienne combattre contre la Russie. Il était temps que tout le monde s'unisse. Il est choqué de voir qu'ils sont en Ukraine, qu'il n'y ait pas des milliers de personnes venant de partout dans le monde, marchant, criant contre la Russie. Et s'armant, il a recruté donc des jeunes hommes pour l'Ukraine, dit Medvedev. Voilà ce qu'il dit. Je me demande ce qui se passerait s'il s'avérait que Ruth, le nouveau tireur raté de Trump, qui a recruté des mercenaires pour l'armée ukrainienne, a lui-même été engagé par le régime néo-nazi de Kiev pour cette tentative d'assassinat. Donc pour lui, M. Ruth est un agent de l'Ukraine. Il a reçu l'argent, il a reçu les fonds, il a reçu le soutien pour aller éliminer M. Trump. Alors les Américains, eux, officiellement enquêtent pour savoir si Ruth n'était pas satisfait du sujet du conflit en Ukraine et qu'il avait des problèmes particuliers avec Trump. Donc M. Ruth n'a absolument rien à voir avec l'Ukraine, c'est simplement qu'il n'est pas heureux avec Trump. Voilà pourquoi c'est un peu le narratif qu'on amène là-bas. Mais le New York Post a été assez honnête pour dire que Ruth s'est rendue en effet en Ukraine et avait soutenu les autorités de Kiev. Dmitri Medvedev a affirmé dimanche que le gouvernement ukrainien avait payé pour l'échec de la tentative d'assassinat de Donald Trump. Donc les Ukrainiens ont payé pour qu'on élimine Donald Trump. Maintenant, on va essayer de comprendre un tout petit peu ce que ça. C'est quand même choquant, une accusation bouleversante. C'est clair. Pourquoi Kiev voudrait éliminer Trump? C'est simple, n'est-ce pas? Il dit que Kiev a payé, muni cette personne des éléments nécessaires pour aller finir Trump. Parce que la position de Trump a clairement été contre la guerre en Ukraine. Je vous rappelle ici, les amis, que M. Trump se fout de tout le monde. Contrairement à la grande majorité des politiciens américains, M. Trump a de l'argent. I have never gone bankrupt, by the way. I have never. C'est son argent, c'est un entrepreneur, un businessman depuis très longtemps. Mais la grande majorité de bureaucrates aux États-Unis deviennent gouverneurs ou présidents par l'aide des entreprises.
Comment ça se fait? Ces entreprises font des donations. Okay? Je vous donne 40 millions de dollars pour votre élection présidentielle ou élection au poste du gouverneur ou élection au Sénat. Je vous donne autant d'argent pour le faire. Mais arrivé à ces postes, à ces positions de pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Vous me renvoyez l'ascenseur, c'est-à-dire vous renvoyez l'ascenseur à mon entreprise afin que je me fasse un maximum de gains. Je vous prends encore un exemple très simple. Supposons que je suis McDonald's et je sponsorisais ta campagne présidentielle. Qu'est-ce que je ferai désormais quand tu seras président et qu'il y aura un programme pour nourrir les enfants orphelins, par exemple? Tu exigeras en tant que président, ou sinon tu pèseras de tout ton poids pour que ce contrat soit assigné à McDonald's, c'est-à-dire le contrat de nourrir les enfants orphelins. Vous comprenez comment vous me renvoyez l'ascenseur? Si je suis une entreprise de vente d'armes, dans ce cas, tu t'assureras que s'il faut acheter des armes pour l'armée, c'est vers moi qu'il faut partir. Parce qu'en réalité, laissez-moi vous dire, les entreprises des ventes d'armes, des missiles, des Mirages, des F-12, F machin, tout ça, des trucs américains, là, ce ne sont pas des entreprises du gouvernement. Ça appartient aux particuliers. Donc, un particulier peut créer, fabriquer des armes et vendre au gouvernement. C'est ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Avec l'OTAN, par exemple, tout le monde est obligé d'acheter un certain nombre d'armes ou investir une partie de leur PIB à l'armement. Et l'armement, généralement, pour la grande majorité, sont achetés dans les entreprises américaines, même si quelques entreprises ailleurs se présentent. Mais la plupart, c'est dans les entreprises américaines. Les bénéfices sont effectués par des privés, pas le gouvernement. Quand on dit que les États-Unis ont envoyé des armes à l'Ukraine, ce n'est pas les États-Unis qui ont envoyé des armes à l'Ukraine. Les États-Unis ont soit acheté des armes venant des particuliers, de Lockheed Martin, de Raytheon, de Boeing, de autre chose, et envoyé à l'Ukraine, et l'Ukraine remboursera les États-Unis pendant que les États-Unis ont payé cash aux entreprises avec l'argent de taxes. Vous comprenez? Maintenant, M. Trump n'est pas associé à ce genre d'histoire. Parce qu'il n'a pas besoin d'être corrompu, il est déjà riche. Il est devenu président étant déjà riche. Écoutez comment il parle de l'Ukraine ici. And I told you before, would have never happened with Russia, would have never gone in, Putin would have never ever gone in. And even now, I could solve that in 24 hours. It's so horrible. Écoutez comment M. Trump parle de Zelensky. Well, I give Zelensky. I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion. Il dit à chaque fois que Zelensky vient ici, il rentre avec un sac d'argent. À chaque fois qu'il vient aux États-Unis pour plaider sa cause, il rentre avec un sac d'argent. C'est un excellent marketeur. C'est incroyable. Il a dit ouvertement que lui ne soutiendra pas cette histoire. Écoutez la question qu'on lui pose par le journaliste. Trump veut-il voir l'Ukraine gagner ou la Russie gagner la guerre? Do you want Ukraine to win this war? I want the war to stop. I want to save lives. Donald Trump dit je ne veux plus que les gens meurent. Il n'a pas dit « je veux que la Russie gagne ou que l'Ukraine gagne ». Il a dit « je ne veux plus que les gens meurent, il y a beaucoup trop de gens qui meurent, c'est bon, c'est fini ». Et ça, c'est évidemment pas la dynamique ou la version que veulent ou entendre les Ukrainiens. Ils veulent écraser la Russie, ils veulent l'association des Américains, des Européens, de tout le monde, dans une unisson pour écraser totalement la Russie, c'est ça leur défi. Trump veut clairement finir la guerre, il ne veut pas que la guerre continue. Les politiciens, les diplomates, les entrepreneurs, les businessmen et beaucoup de gens en Europe, et le chef de l'OTAN, ils veulent que la guerre continue pour leurs propres intérêts. Si on fait une guerre à la Russie, évidemment, on écrase l'opposition numéro un sur le plan militaire. Si on fait une guerre à la Russie, on peut imposer nos choix sur le plan global sans qu'il y ait opposition. Vous comprenez? C'est-à-dire, avec l'histoire là, par exemple, on a voulu instituer certaines histoires disant « il vous faudra avoir de vin pour voyager, il vous faudra un certain style de vie » qui a été rejeté par les Russes. Donc, pour accomplir cette histoire, qui à l'époque n'avait pas de résistance à part les Russes et peut-être les Chinois aussi, il est plus facile, quand vous écrasez les Russes, les Chinois seront beaucoup plus simples à écraser. Et les Iraniens, les Syriens, le reste, il n'y aura pas d'opposition. On vivra dans un monde unique où une seule personne décide pour tout le monde. Donc, c'est exactement ce que les Européens veulent avec leur histoire. Non, je ne parlais pas ici, sinon on va bloquer notre vidéo. Bref, Dimitri Medvedev, Medvedev, un mot facile mais compliqué, c'est pas ma langue maternelle, Dimitri Medvedev affirme que la tentative d'assassinat de Trump a été orchestrée par Kiev. We should have thousands upon thousands of people standing here with the Ukrainians. This Maiden Square, Independence Square, we should have millions of people in this square, filling the square from every country around the world. And why we don't, I don't understand. I'm here every day with all the flags from all the supporting... Je vous rappelle ici, le président ukrainien récemment disait que l'Occident a peur. Parce que quand on dit « vous avez peur », c'est-à-dire que nous voulons la guerre. Et Trump ne veut pas de guerre. Est-ce que c'est justifié? C'est une forte probabilité. Mais est-ce que c'est à dire qu'ils ont vraiment orchestré ça? Ça, on ne sait pas, on ne peut pas dire. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Votre participation est toujours welcome. Donc faites-nous savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est la tentative numéro 2 d'assassinat de Trump a été orchestrée depuis Kiev?
God bless.